sorte une nouvelle vidéo aujourd'hui. Petite vidéo nouvelle de l'élevage. Une big nouvelle de l'élevage. Voilà, là il y a les lapins. Tous les lapins qui sont là, ils vont bien. Mais je peux pas y aller, il y a beaucoup de boue là, de ce côté. Voilà, il a beaucoup plu ces temps-ci. Voilà, il y a un petit moment le géant de Bouscat. Il y a le petit pompon là qui demande à sortir, mais j'ai pas encore sorti. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Il est là, Pompon. Je vais les sortir tout à l'heure. Là, on a entendu le coq soit bleu fanté. Le coq soit bleu là. Et le coq soit blanc. Voilà. Et là, c'est Pompon. Le coq combattant espagnol est à vendre. Hein. Parce qu'il est méchant. Voilà. C'est un coq de combat pure race, hein, ça se voit. Il baise. Ce coq, faut pas ouvrir la porte. Hein, sinon. Voilà. Bref, et il y a les 4 coques de chair pour la fin d'année, mais je vais pas trop ouvrir, parce qu'ils veulent tout le temps sortir, donc je vais pas trop ouvrir, ils sont là, ils sont pour les fêtes de fin d'année, je lui vends, voilà. Les cailles vont super bien, les cailles sont là. Je vous remercie encore pour les 300 abonnés. Il y en a une dans le nid là, qui va pondre là. Il est là, il va pondre. Voilà, donc je vais vous montrer le reste des animaux. Là. Et ils sont là. Bon, les poules pondeuses à ma mamie, pas trop intéressant. Coq de chair pour fin d'année aussi. Et là aussi. Oula. J'ai failli tomber. Désolé. Dans ces coques de chair là, il y a deux poulettes, donc je compte garder. Il y a leur nichoir là. Bon, là, il n'y a aucune poule là, même la combat espagnole est partie. Bon, quand je dis partie, elles sont parties. Elles sont parties. Je les ai lâchées. Comme tout le temps. Comme tous les jours, quoi. Je les lâche. Ben, on va aller les voir et on entend ton pompon qui fait ses magies. On va aller voir et c'est parti. Et au moment où je dis ça, il y a une bête qui tombe dans mon dos. Un petit insecte qui n'a rien à faire de sa vie. Bon, ils sont là les poules. Là on voit le coq croisé Bielfelder qui va bientôt passer à la casserole. La poule combattant espagnol qui est là. Et là, la poule Jem, combattant espagnol. Le coq Sussex qui est juste devant là. Je sais pas si on voit. Et les restes des poules qui sont là. Le coq Sussex, on le voit mieux là un peu quand même. La poule combattant espagnol. Voilà. Et je compte garder le coq Sussex en tant que grand producteur 2018. Avec Pompon et le coq soie blanc. Le coq combattant espagnol est à vendre, j'ai déjà dit. La poule combattante espagnole, j'ai essayé de faire un petit croisement, bien sympa. Voilà. C'est juste pour la couvaison. Voilà, j'ai essayé de créer plus gros. Mais bon, je vais pas en faire beaucoup, hein, juste un ou deux, c'est tout. Parce que j'aime pas trop les croisements, voilà. Ma poule Sussex, là. Je sais pas si on la voit. Son cou bien noir, là, on voit son cou. Je sais pas si on voit... Il y a une poule cendrée. Oui, pendant que je parle de poule cendrée, j'en ai une qui est morte aussi. Une poule cendrée la plus grosse, la plus foncée. La poule combattante espagnole qui est en train de gratter, je sais pas quoi là. Elle est belle la poule combattante espagnole. Elle a une assez jolie couleur. Je trouve. Voilà. Le coq Sussex commence à se montrer assez dominant. Mais je sais comment le remettre en place. Voilà. Donc pour l'instant ça va. Sinon ils sont bien dehors là, ils sont tranquilles. Voilà. Bon, désolé pour la voiture qui vient de passer. C'est que les gens ils sortent de chez eux, hein, voilà. En tout cas, bon voilà, c'est la fin de... Non, attendez. Attendez. Je retourne là-bas. Parce que... Oui, je retourne là-bas.
Il comprend pas encore qu'il est en train de gueuler. Bon, là, c'est la fin de cette vidéo. Je pouvais pas la finir en chemin, il y avait des voitures qui passaient encore. Bon ben, c'est la fin de cette vidéo, si vous avez mis un big pouce bleu comme ça, en l'air. Hein. Voilà, commentez, partagez, likez. Mais surtout, abonnez-vous. Bon, oui, j'ai déjà dit likez, désolé. Je suis confus parce que, voilà, c'est le matin. J'avoue, je viens de me lever. Lol. Je viens de me réveiller. Non. Bon, voilà, j'ai déjà dit abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ben,